Salut à tous, je suis Max de la société Mixi School. Nous proposons des ateliers DJ partout en France pour initier les jeunes au DJing et à la MAO, mais aussi les adultes. Dans le cadre du confinement, on m'a contacté et on m'a demandé s'il était possible de faire mixer, mais que ça soit accessible à tous et gratuit. Alors pour la gratuité, on va utiliser une application. Pour l'accessibilité, on va vous montrer que même un enfant de 8 ans peut réussir à mixer avec. C'est parti. Ça fonctionne avec un mix électro? Bien sûr. Ça passe! Et est-ce que ça marche avec d'autres styles? Bien sûr! Ça passe. Voilà, donc on va installer une application qui s'appelle Cross DJ Free et donc on va passer par le Play Store pour aller la chercher. Donc on clique sur l'icône du Play Store, on va dans la barre de recherche et on va écrire Cross DJ Free. Donc dans la liste des résultats, il apparaît ici. Voilà. Et on clique sur Installer. Hop, une fois que ça c'est bon, on clique sur Ouvrir. Donc on autorise pour accéder aux musiques qui se trouvent sur le téléphone. Et donc vous pouvez voir maintenant deux lecteurs, un à gauche, un à droite. Pour mixer, il va falloir utiliser deux musiques en même temps. Donc à gauche. Vous avez ici le premier lecteur et à droite le deuxième. Donc pour charger une musique, on a juste à appuyer sur le plus en haut à gauche pour charger la première musique. Donc la première des choses à faire, c'est de les analyser. Donc on clique là et il va nous donner les vitesses de chaque chanson. Je peux voir que celle-ci elle est à 126, 138, 105. 125, 122, 122,5. Bon, l'idée c'est de les mettre dans l'ordre. Donc pour ceci, on va aller sur Title là-haut et demander le rangement par BPM. Et donc maintenant, j'ai la vitesse des chansons dans l'ordre. Pour les mixer, ça sera mieux qu'elles aient des vitesses assez proches. J'en choisis une. Et j'en choisis une autre. Donc là, je vais vous faire une démonstration avec deux musiques. Armin van Buuren à gauche, blablabla, et Marshmallow à droite, Alone. Pour démarrer, j'appuie sur la touche lecture ici. Do
Et pour lancer la deuxième musique, j'appuie sur la touche Sync qui se trouve à droite ici. Maintenant que j'ai lancé la deuxième musique, il va falloir aller charger la troisième dans le lecteur de gauche. Donc je reclique sur le plus, je choisis une autre chanson et je me prépare à la lancer. En appuyant sur Sync à gauche. Et je fais ça ainsi de suite. Très bien, quand on arrive vers la fin de la première chanson, on lance la deuxième avec la touche Sync et on fait ainsi de suite avec les chansons suivantes. Par contre, ne lancez pas trop tôt votre musique, sinon les chanteurs vont chanter les uns sur les autres et ça ne va pas faire un beau mix. Voilà, mixer sur téléphone gratuitement, c'est possible. Maintenant, il existe du matériel et de logiciels beaucoup plus adaptés afin d'aller plus loin dans le mix. Dans la prochaine vidéo, nous en verrons un qui est lui aussi gratuit et qui s'appelle Juice.